my god. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il est vraiment malade dans ma maison. Ma maison, j'ai oublié. Oh, aidez-moi, Vicky. Oh, merci beaucoup. Aidez-moi. Merci beaucoup. Les gens, ils sont venus m'aider. Presque ma maison était en feu. Je vais aller au voisin. Je vais aller demander à mon voisin. Ah tiens, il est déjà là. Coucou voisin. Voisin. Coucou. Je veux te dire, si arrête de bouger, tu m'as fait un petit peu mal à la tête. Si vous aussi, et j'allais vous dire, si vous aussi, les aliens et des zombies apparaître chez vous et des fantômes. Les aliens, ça n'existe pas, comment je sais. Mais pourquoi vous disiez que moi, chez moi, toujours je vois des fantômes et des aliens ferme. Et aussi. T'as dit pourquoi? Allez, va-t'en chez moi, tu dois partir. Yeah. Vous aussi, allez, va-t'en. Partez, moi. Partez, j'ai pas besoin de vous. Allez, va-t'en. Mais dit les aliens. Il ment sur moi ou quoi? Il me dit les aliens, ça n'existe pas. Mais bien fait, tu sors de ma maison, les aliens, ça n'existe. Mais je sais pas pourquoi. Mais qui a fait ça? J'ai bien établi les gaz, j'ai bien fait tout ça. Mais... Et aussi, peut-être que... Attends une minute. My God. Peut-être que c'est les... Non. Peut-être que c'est les zombies, les fantômes. Ils ont apparaître chez moi. Ils ont mis le feu, etc. Non, c'est pas ça. Je veux dire ça à la police, mais j'ai peur qu'ils ne me croient pas. Je vais leur dire. Peut-être... C'est mon rêve, c'est qu'ils me croient. Tout me croire, mais personne ne veut me croire. Allez, c'est parti, ma trottinette. Et c'est parti. Allez, c'est parti, direction au commissariat. C'est parti, j'ai posé ici ma trottinette. C'est parti. Bonjour, monsieur. Monsieur, si vous... je vais pas mentir, mais je dis tout ça à tout le monde. Mais personne ne me croit. Quoi? Ben, c'est parce que il y avait des gens qui nous ont dit il y avait des fantômes et des extraterrestres et des zombies ils ont apparaître chez nous. Vous avez dit des fantômes, des extraterrestres et des zombies? Oui, c'est ça. Pourquoi vous me dites ça? En fait, ça avait... Quoi? Qu'est-ce que vous dites, vous? Si, dites-moi, je sais que vous cachez quelque chose. Attendez. Je sais que vous cachiez quelque chose. Dites-moi tout, monsieur. Et allez, dites-moi. Ok, c'est bon, je vais te le dire. Avant, il y avait les extraterrestres et les zombies font se venger. Mais pourquoi ça? Son père était un guerrier. Quoi? Parce qu'il était servi. Quoi? Quoi? Mon père est participé à la guerre? Oui. Mais... Je déteste que quelqu'un me dise comme ça, mais allez continuer. Voilà, c'est bon, je t'ai tout dit, je t'ai assez dit. Au revoir. Monsieur, si c'est vous... C'est bon, j'en ai assez dit, au revoir. Mais... C'est ridicule ça, personne veut m'aider. Personne veut m'aider. Bref, maintenant, on va y aller. C'est l'heure des donuts. Allez, je dois espionner quelqu'un, mais je suis choquée la dernière fois que j'ai trouvé une fille, vraiment une fille, une extraterrestre. Mais je suis choquée, une extraterrestre dans une voiture. Normalement, il sera dans une soucoupe volante. Elle était toute petite et elle était vraiment rose, pas verte, pas rien. On dirait pas un extraterrestre. Je dois vraiment... je dois prouver ça et je dois me venger moi aussi, mais je sais pas pourquoi. J'ai jamais découvert ni mon père, ni ma mère, ni personne. Mais je veux vraiment ça. Je dois vraiment donner à des enquêtes à tout ça. Allez, ça va être très bon ce petit déjeuner. Allez, c'est parti. Trop bon. Il me reste justement ça. Trop bon. Allez, je dois laisser ça. C'est parti. Vraiment, il est trop bon. Déjà, je l'ai fini.
Attends, je vais un petit peu prendre l'air. Oh my god, les amis, j'étais fermement RP tranquille. Je sais pas ce qu'il y a. Je crois que c'est la vraie Génas, c'est pas. C'est vraiment, j'ai trop peur. Oh my god, j'ai grave mon père. Je vais déjà pas. Je sais pas. Je vais mériter une tête choquée. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire. Je dois quitter. Attends, les amis, je sais pas qu'est-ce que j'ai trop peur. Aidez-moi.